Sacha. S'installe chez Koei sur Énergie. Bienvenue à cette demoiselle. Elle s'appelle Sacha, elle a une voix. Alors franchement, elle a une voix incroyable. Non, moi j'adore. Moment, ouais, c'est... Ah non, mais c'est vrai, hein. En France, on a une usine à fabrique de grosses voix avec sur des petits cordes. C'est un truc de ouf. Et je les entends pas quand je regarde La Nouvelle Star sur D8, ces belles voix. Non, c'est con, hein. C'est fou parce qu'il y avait un record de sachant de faux la dernière fois. Mais attends, c'est pas possible. Comment ils ont pu faire une... On a pas parlé, mais comment ils ont pu faire une émission comme ça? Sortez-les, les enfants, les sons de cette semaine. On va en parler, ou de la semaine dernière. Sortez-les. C'est incroyable. Ils leur ont fait chanter que de la merde et ils chantaient faux, tout faux. Sur The Voice, il y a des voix de folie et là, il y a pas un mec qui chante bien. Mais quand même. Et attends quand Ikidia va le faire. Alors là ça va être Mais Sacha justement enfin on a bonjour mademoiselle. Oui, bonjour déjà. Bonjour. Ah, peut-être qu'elle a fait une télé-réalité. Vous t'as pas fait de télé-réalité toi? Non. Mais t'as pas fait des essais de cours de chant, j'ai vu sur ta bio. Si, je pas des cours de concours. Ah oui. Ah, lesquels? Ça a pas été prise forcément. Non, c'est vrai. Mais il y a pas les noms. Qui a dit non? The Voice. Ouais. En fait, de base j'avais fait The Voice Kids et ils m'ont dit viens faire The Voice adulte. Et quand j'ai passé le casting pour The Voice Adult, ils m'ont pas prise. C'est sérieux? Non. Ah la loose. C'est pas grave. Et c'était quoi la raison? Et t'es passé devant les quatre? Passé de justesse, ou je s'en sais rien. T'es passé devant les alors, quatre? Non, c'est ce non, que non, je non, c'était la présélection. Ouais. Ouais. Je crois la chanson d'Indila dans sa voix. Mais bon, j'étais un peu malade ce jour-là. Ah, en plus. Ah, mais non, mais même malade. Voilà, quoi, hein. Mais même malade, c'est bien quand même. Quel âge as-tu? 17. 17 ans. Attention. Non, mais ça va, j'ai rien dit. J'ai rien dit. 17 ans et tout. Qu'est-ce qu'ils disent quoi, les parents, de ce qui se passe là et tout? Ils sont contents, ils sont fiers. Ben oui, ben attends, ouais. C'est vachement bien. T'as un papa dans le métier? T'as non, quelqu'un pas dans du la tout. Rien à voir? Non, mais des fois ça peut arriver. Ah, ouais, c'est débrouillée toute seule. Oui, comme une grande. Il va y avoir un EP digital. C'est quoi déjà un EP digital? C'est pas un album vraiment, c'est plus petit. C'est un hein. mini-album, voilà. Ouais. Il y aura 4 titres et on va bientôt sortir. Ah, c'est là, c'est pour le 22 avril. C'est, la, oui. C'est bien avril, c'est moi de mon anniversaire. Très bien. Je vais oui, avoir la 29 ans, donc génial. Toi aussi, c'est, t'es le 23? Ouais. D'accord, très bien. T'as le 28. 28. Proche, on est proche. Ouais, on est quasiment la même année, on y est. Il y aura. Attends, il va y avoir des reprises, c'est ça? Oui, une reprise de Beyoncé. Ah ouais. Et c'est tout. En fait, non, il n'y en a qu'une. D'accord. Ouais. Et pourquoi? Il y a vachement d'anglais aussi. Il y a de l'anglais dans la chanson, j'ai pas rêvé. Oui, non, il y a les deux. On n'a pas rêvé. Mais pourquoi la voix? Pourquoi pas tout français ou pas tout anglais? Bon, français, on sait, les quotas, faut passer à la radio, oui, bien sûr. Ouais, parce que, en fait, avant de faire mon album en français, je chantais qu'en anglais, du coup, voilà, on voulait laisser cette. Pour arriver en radio. T'imagines, Jérémy? Parce que vu que tu sais pas parler anglais, peut-être que t'arriveras à le chanter. Ah non, je pense pas. Yaourt. Ah non, déjà chanter en français. Et c'est quoi, non, on va arrêter les catastrophes. Ah, non. La chanson vient de sortir. Ah, c'est bon. Et vous pouvez arrêter de mettre de la bouffe sous le nez de tout le monde, là, de nos invités. Ouais, vous dur, mettez des. Ah, on est d'accord. Ah, ouais. Et je te mets du chocobon. Tu veux en prendre un chocolat? Ça va, merci. Ah bon, alors enlevez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez. Ouais, ça nous arrange. Il est au régime. C'est personnel. Il ne faut pas manger devant lui. Julie, tes réserves sont arrivées. 4 plaques de chocolatine maintenant. Elle descend pendant une émission. C'est un truc de ouf. Bon, mademoiselle, en tout cas, je te souhaite le meilleur. Vraiment, je te jure. Dans un instant, on va se faire le titre en live. D'accord, mais j'ai envie d'en savoir plus sur toi. T'es à l'école encore? Oui. En quoi? En première. Comment? Ça se passe comment? Ça se passe bien. Pour l'instant, j'arrive à gérer les deux. On t'entend pas du tout. Oui, Loris. On n'entend pas. Première quoi? Première STMG. STMG, c'est quoi? C'est STMG. C'est MGMT, le groupe. Tu sais ce que c'est, STMG, c'est scientifique avec un peu de gestion. Voilà, management et. Ben d'accord, non, et je t'emmerde. Ça s'appelait comment à ton époque? Ça s'appelait pas. STG. Non, il y avait pas. STG avant, non? Il y avait pas. Il y avait pas. Il y avait la première S, il y avait la première. Il y avait commerce STT. International vers l'Amérique. Ça s'appelle sort du territoire. Je crois qu'il y avait pas ce genre de truc, mais bon. D'accord. Et après, donc chanteuse, tu veux faire ça? Cet été, ils t'ont prévu des trucs, des endroits où tu vas chanter? Un peu de festival, des promos, mais pour l'instant, non. Mais l'année prochaine, à la rentrée, enfin, vu comme c'est parti, là, le truc, il est parti pour cartonner. C'est que ça va changer un petit peu. Ça va être bizarre la terminale. Il y aura signé des autographes à tes profs. Hein. Il y a ma prof de français qui commence à commenter. C'est vrai. Et elle aime bien. Est-ce qu'elle aime bien? Bah ouais, elle aime bien. Elle doit être fière. Et mon prof d'histoire aussi m'a envoyé un mail il y a pas longtemps. Et surtout le prof d'anglais qui doit être content là, non?
S'en fout ? Ah non, mais on a changé trois fois de prof d'anglais en fait cette année. Donc... Ouais, il y a une maladie chez les profs d'anglais. Ouais, ils disparaissent. Voilà. Et tu veux un mot pour aujourd'hui ou... Oui, j'ai un mot. J'ai un mot, puis c'est vrai. C'est vrai, un mot, oui, oui. Je te le ferai. J'ai justifié mes absences. Elle a dû partir tôt en fin de journée pour être à l'émission. Je te le ferai. T'inquiète. Bon, et écoute, en tout cas, je suis super content pour toi. Vraiment, un fiancé ? Un petit chéri ? Oui. Ah, d'accord. Il le voit comment lui ? Lui, il va mal le voir. Les mecs le voient mal. Les mecs le voient mal. Il va partir vers les projecteurs. Donc, on va t'annoncer que ça ne va pas durer. Non, on est consciente. Elle va rencontrer des beaux gosses. Elle va sortir avec Kenny. Ça ne va pas durer. Oui. Dans quelques jours, on ouvrira un magazine. Sa relation avec Eve Adams. Vianney qui va passer par là. Tout ça. Mais pourquoi pas ? Faut y croire. Ça fait longtemps que tu es avec ton copain. Méfie-toi de Vianney. Et de Gradur. Bientôt 2 ans. Non, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, s'il y avait. Alors, je sais que t'es avec ton copain, mais c'est vraiment une supposition. S'il y avait aujourd'hui un mec du showbiz qui te drague, lequel le feras-tu comme ça, ouvertement, tu diras, lui, il est bien quand même. Ouais, jamais réfléchi à ça. Ah, mais je t'ai donné des noms, hein. Je t'ai prendre dans la tranche d'âge. Hein, du Kenji, du. Kev Adams. Du Kev Adams, du. Ryan Bencetti. Ryan Bencetti. Gradur. Elle a fait la Oui, Gradur, pas mal. Non, mais tu vois, je. Le pauvre. Non. Ah, toi, je suis sûr que si Kevin Dragouille, tu... Si Kev Adams, non ? Kev Adams, non. T'es plus brun, blond, ouais, grand, petit brun. Ouais, brun. Bah, et bleu, et brun. Ouais. Bah, oui. Kev, on y est, hein. Ryan Kenji, non. Non, d'accord. Oh, je sais pas. Pas les barbus. On enlève les barbus, on fait un qui est. Tous les barbus baissent la tête. Ryan. Les blonds baissent la tête. Ryan. Elle a fait la grimace sur Ryan. Ryan, elle a pas aimé. Oh, t'as l'air difficile. Oui, je suis un peu difficile. D'accord. Moi, c'est le feeling, tu vois, c'est pas. Ok, si t'aimes les gros qui ont pas beaucoup de cheveux et qui ont 29 ans, je peux t'en trouver un dans la pièce tout de suite. Bon, en attendant, pourquoi le clip ça se bastonne ? Parce qu'avant qu'on fasse le titre en live, dans le clip, il y a une scène de ménage. Ah oui. Ouais, c'est vrai, c'était pas prévu. Ça raconte un peu, c'est un peu l'histoire du titre. Oui, voilà, ouais, tout se détruit autour d'eux, c'est. Ils se défoncent, mais ils s'aiment quand même. Voilà. Eh bien, mademoiselle, on a un truc de prévu, ça va te chauffer avant la chanson. Mais je sais pas ce que c'est, ils m'ont dit, t'as pas le savoir. Non. Ils m'ont dit qu'il y avait une histoire de scène de ménage. Oui. Où, en théorie, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, il y a des gens qui. On va poser des questions, je les ai pas les questions, hein, ne me regarde pas comme ça. Pose des questions à toi et des questions à moi. C'est ça, hein ? Ouais. D'accord ? Si jamais les réponses plaisent pas, les questions plaisent pas et il y a un truc et rien, on pète un truc. Scène de ménage, on pète des trucs. D'accord. Mais on chante d'abord ? Oui. Ah oui ? Ouais, ça va être un chant d'Orwin sinon après. Ouais, c'est ça. Ouais, vaut mieux le faire d'abord, sinon c'est moyen, c'est moyen. Oui. Mets-toi en place, mademoiselle, mets-toi en place. Dans un instant, comme ça, on prépare. Qu'est-ce qu'on a à casser ? Ah, il y a des qu'est-ce qu'on a comme truc à casser ? Parce que dans des assiettes, des verres, on a quoi ? Une scène de ménage, on casse toujours des trucs. Ouais, il y a des meubles même. Il y a des meubles. Des ordinateurs, vous avez pas. Il y a des ordinateurs. Il marche plus. Il marche plus. Il est tout neuf. C'est des écrans périmés. Mais mec, il n'y a pas que des ordinateurs. Non, on a une Ferrari F530 aussi derrière. D'accord, très bien. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Elle veut de l'eau. Donc elle vient te demander. J'allais en demander une. 2 euros. Je l'ai payé à la machine, je crois quand même pas que. Vous avez levé la main avant de vous lever ? Attends. Tiens, prends. C'est 4, c'est la pire et l'étiquette. Moi j'ai une sans étiquette. Elle est trop mignonne parce qu'elle vient de demander la tienne. Je demandais à quelqu'un d'autre et en attendant. Elle bah oui, parce que toi t'as pas d'eau, t'as ton esti, bah lui boit son thé tout pourri. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas 2 euros en fait. Bon, ça fera 5. Voilà, pareil que sa bouteille, elle est consignée, c'est une bouteille en plastique consignée. Ça se fait encore les bouteilles consignées ? Ouais, je crois. Hein. En verre, oui. En verre, oui. J'ai jamais compris ce système-là. Tu rends 1 euro quand on ramène ta bouteille, j'ai jamais compris le délire. Ouais, ça c'est pas une consigne. Ah ouais, ouais. T'as vraiment des gens qui ramènent les bouteilles. Bah, tu la payes 2 euros et quand tu la ramènes, ils te redonnent 80 centimes. Bah oui, comme ça, mais c'est super écolo l'air de rien. Mais j'ai rien dit, mais on gueule pas non plus. J'aurais que vous fassiez beaucoup de bruit, vous la découvrez peut-être avec nous. Elle s'appelle Sacha. Du bruit pour Sacha sur Énergie. Allez, c'est la première fois. Elle est chez nous, écoutez, 17 ans. Bientôt 18. Lumière intense sur nous, à contresens, je revois tout, souvenir amer de notre histoire sublime, désert de brouillard.
visage livide, douleur, la peur du vide a un goût de bonheur, mais je me perds, tombe en avant dans ce mystère. C'est beau, hein. C'est dingue. Et qu'elle a été recalée. C'est une jolie voix. Et y a, en première, il y a encore des cours de musique. Non, ça s'arrête au collège. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas au collège. Mais t'as dû déchirer toi au collège en cours de musique, non? Non, même pas. Ah, mais la flûte. Arrêtez les profs de faire chier avec cette flûte. Cette flûte, elle terrorise, mais elle a terrorisé des générations d'enfants. Oui, mais va mettre une batterie dans ton cartable. Mais je sais. Mais si tu veux, tu prends une harpe. Si vraiment t'es motivé. Il t'oblige à l'acheter et tout à chaque fois. Flûte. Moi, j'avais acheté une flûte bleue. Bleu, une merde que j'avais acheté au supermarché, elle était bleu électrique. Je jouais aussi bien qu'une flûte en bois, de toute façon je jouais mal. Je jouais aussi mal surtout. C'est ça. Moi je jouais mal. Bon, est-ce que vous êtes prête pour la scène de ménage, mademoiselle? Alors, vas-y, installe-toi. Je rappelle, si vous êtes fan et si vous venez de découvrir cette demoiselle, elle s'appelle Sacha. Le EP, donc c'est le mini-album, va sortir en digital le 22 avril. Donc vous regardez sur internet, vous débrouillez sur toutes tous les trucs de téléchargement, Lego évidemment. Et là c'était Alive qui est l'un des titres. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je demande où elle se met, donc je lui ai dit de prendre ma place et toi tu vas venir à côté. Je vais aller là-bas, tu vas voir, on va se mettre côte à côte. J'arrive tout de suite. Et je n'ai pas les questions de ce qu'on va faire, donc je sais juste que c'est une scène de ménage. Je te préviens, quand je suis vénère. Scène de ménage contre elle? Oui, on va imaginer que vous êtes en couple. Imaginez, hein. Oh, il n'y a que quoi? Il y a 11 ans d'écart. Oui, c'est pas elle a 18 ans, j'en ai 29, on y est. À peine. Voilà. On y est, elle a voulu. Trichant, vous avez quand même 11 ans d'écart. Elle a voulu un brin, c'est exactement ce que je suis. Enfin, bon, on y va. Attends, je me mets à côté. Alors. Donc, vous pouvez nous rappeler le. Alors, viens. En gros, dans ton micro. Alors, vous êtes en couple. Ok. Bonjour. Pierre va vous poser des questions. Voilà. On se parle comme ça. Et si ça vous plaît pas, vous avez des objets à casser. D'abord, vous cassez un objet. Excusez-moi, moi je suis toujours. Si j'aime pas ta réponse, je casse une assiette. Non, c'est non. Si la situation ne te plaît pas. Ah oui, c'est voilà. Par exemple, il va dire. Si j'ai bien compris. Machin. Il va dire. Vous êtes en couple, je viens d'apprendre que Koé. Fouiller dans ton sac à main, machin. Ça te plaît pas. C'est pas grave. Ou ça te rend dingue et là, bang, tu casses. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'elle a sous les mains? Alors, là, la vaisselle, des assiettes. La vaisselle, elle a de la vaisselle, d'accord. Voilà. On est en couple, mais on n'a pas parlé du fond. Ses parents sont d'accord? On n'a pas demandé encore. On n'a pas demandé. On considère que oui. On considère que oui. Que vous êtes ensemble depuis au moins 6 mois et tout. Hein. Ah, bah, okay. Bien sûr. Voilà, c'est un vieux couple. Et donc, Sacha, imagine, donc tu es en couple avec Koé et tu apprends qu'il t'a trompé. Tu réagis comment? Vas-y, hésite pas. Non, pas sur moi. Attends, pas sur moi. Vas-y. Ouais. Yeah, t'as vu, ça fait du bien, c'est un kiff. Généralement, les gens au début n'osent pas et après ils kiffent. Je vais aller berger. Oui, tu es en couple avec Sacha et tu apprends qu'elle a 17 ans. Tu réagis comment? Ah merde.
Comment tu veux casser? J'ai une lampe. Toi, t'as les objets de la maison. Toi, t'as des objets chelous, toi. Comment je peux casser une lampe? Parce que t'as des objets de bonhomme, toi. Tu l'achètes? Bah, t'es pas obligé de l'acheter non plus. Ah non, je peux pas. Attention, il y a l'ampoule. Oui, ça veut dire qu'elle me l'a cassé. Ouais. Oui. C'est pas bien quand même. Non. Vous avez fait des trucs et tout, quoi. Ah ouais, bon. Tu risques, hein. Ouais. Ah ouais, bah, je vais le jouer. Quoi? 17 ans, tu me l'as pas dit, mais bien. Pas mal. Sacha. Toi, t'aimes bien casser des trucs. Je sais que tu aimes bien casser des trucs. Ouais. Sacha, tu apprends qu'il t'a trompé avec ta meilleure amie. Oui, mais elle est jolie. Le bocal. Non, j'y suis pour rien. Le bocal. Pas le bocal, pas le bocal. Si, c'est le bocal. C'est ta meilleure amie quand même. Bon, elle a cassé le plancher. Elle a des bocaux très solides. C'est sympa que tu vas être content. C'est pas cassé. On a cassé le plancher, ça c'est. Oui, Piette, vas-y. Bon, tu apprends qu'elle dit partout de toi que tu en as une petite. Ah, tiens. Pourquoi tu dis ça? T'as un poster radio à côté de toi. Pourquoi tu... Pourquoi moi j'ai que des trucs incassables? Mais si, ça casse ça. C'est un poste de radio, c'est incassable ça. Mais regarde, il y a encore un poste à cassette, je suis sûr. Vous êtes sûr? Il n'y a plus rien qui marche. Vous êtes non, sûr non, non, non. Non, par quoi? Que j'en ai une quoi? Répète-le devant moi. Petite. Il a un peu mangé. Il y a un trou dans le parquet. En fait. Ah, le plancher a mangé aussi encore. C'est rien là. Ça y était. Ça y était. Ah, oh, y a rien. Ça y était. Guillaume, va acheter tout de suite de la peinture et de la pâte à bois. Ça y était. Sacha. Bon. Oui. Il te dit je t'aime. Mais il se trompe de prénom. Genre je t'aime Sylvie. J'ai voilà. Fait non ça va. Ça gêne ça pas. Va ah ouais. Il y a rien de pire. Ah ouais. Ça arrive de se tromper. Une fois, mais ça va, même s'il t'appelle Robert. Ton chéri te regarde dans les yeux, il dit je t'aime Sylvie et tu non Sacha c'est ça. Tu dirais rien. Ouais. Si mais je casserai pas une assiette. Bon ramenez-lui un gros truc parce que là il y a un truc qui va le vénérer. Mais non pas ça. Tu peux le finir à coup de latte. Hein. Oui mais tu vas voir, c'est justifié. Pendant une dispute, elle casse ton drone préféré. Oh là. T'as pété mon drone. Ouais, parce qu'il est fan de drone. En fait, j'aime bien les drones. Arrêtez de dire que je suis fan de drone, ça arrête, fait. Arrête. C'est bien, ça fait nos lives qui est sur les sites de drone. Arrête. Arrêtez. Parce que tu le fais, tu es sur les sites de drone. C'est juste que j'aime bien des fois prendre mon drone et. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas sur les forums et tout. Mais non, mais j'aime bien le faire voler au-dessus de la baraque des voisins. Et quand je regarde, j'imaginais pas ça d'en haut. Il est fier de nous montrer ses vidéos et tout. Alors super belles mes vidéos, je le fais atterrir super bien mon drone. Écoute-moi, tant qu'il n'y aura pas une vidéo de ta voisine à poil, je m'en fous de tes vidéos. Quand tu verras mes voisines, tu comprendras pas. Le drone, il va baisser. T'as cassé mon drone ? Oui, elle a cassé ton drone. Ah non. Tu peux le poser par terre et t'as une batte de baseball sinon. Pas le parquet, je t'en supplie. Non, parce que là. T'as cassé mon drone ? Tu m'as appelé Sylvie. Voilà. Ah, il se fait plaisir là. Tenez-le. Ça j'ai toujours rêvé de le faire. Tenez-le. Elle a cassé ton drone. T'as cassé mon drone, mais. Ça se casse pas, ça casse fait, pas. C'est extrêmement résistant. Tu étonnes. Mais il m'a cassé mon. Et ça se casse pas. Ça ne se casse pas, ça ne se casse pas. Il est légèrement marqué, allez, je vous le cache pas. Il reste deux questions. Il est déboîté. Sacha, c'est ton anniversaire, mais il préfère aller jouer à FIFA avec ses potes. Oh. Tu préfères faire ça? Bien. C'est rigolo, les assiettes, moi j'aime bien. Tu veux? Oui. J'attends peut-être. Moi, vous avez un truc sympa. Moi, je pense que je vais avoir un frigo. Non, pas encore. Mais non, c'est pas, bon pas encore un. Pas encore un. Non, je vais prendre des assiettes après. J'ai envie de faire. Ah, voilà. On la double. T'as tous les écrans. Non, parce que ça va t'énerver aussi. Je m'adresse aux mecs du parc informatique d'énergie. Ils sont là. Tu sais pourquoi il dit non, pas encore. Parce qu'il est crevé là. Il est un peu plus. Ouais. Ça fait ton sport. Bon, tu apprends qu'elle te quitte pour un mec de télé-réalité. Oh putain. T'en serais capable. Un mec de l'île des vérités. Avec une poêle. Bon, enlève-en un. Comment tu veux qu'il casse un écran avec une poêle? Je sais pas, il veut que j'essaie avec une poêle, je vais essayer avec une poêle. Attends, je vais bouger. Je trouve ça drôle. Je peux pas casser des assiettes avec une poêle. Tu veux? Ah bah si, regarde, on a plein, il y a les siennes. Tu la lances. Poule. Un bal trap. Poule. Sur la tête de Sacha avec une poêle. Oh si, c'est marrant, enlève l'écran. Poule, en l'air.
Vas-y en l'air. Il va se faire mal. Non, ta main, fais gaffe. Mal, on va se faire mal. Non, mais lâche-toi. Bam. On va se faire mal, mais on s'en fout. Ouais, putain, j'ai tout pris. C'est très rigolo. Sur les écrans. C'est pas bien pour le studio, mais c'est très rigolo. Non, y'a rien, Ah, j'ai eu peur pour l'écran. T'es déjà cassé dans l'écran. Oui, oui, tu peux essayer avec un écran au vol. Le mec bon, de voilà, la scène de ménage est terminée, vous pouvez les applaudir. Eh bien. Appuie en haut à gauche, il y a marqué Sacha, appuie dessus. Voilà, c'est cette demoiselle que vous entendez. Le 22 avril, il y a le mini-album qui va sortir. Il faut que vous l'ayez à la maison. Je voudrais que vous fassiez beaucoup de bruit pour Sacha. Merci beaucoup. Ça va, ça a été. Here we go now, come on. Retrouvez tous les podcasts de Koé sur énergie.fr et koé.fr et les meilleurs de l'émission sur la web radio Énergie Koé.